lors de l'administration du DELF. Que faire si l'environnement d'évaluation est inapproprié? À ne pas faire. Bonjour tout le monde. Bienvenue à votre examen B2. Nous allons commencer dans 2 minutes. Je vais vous demander de signer la feuille d'émargement. C'est quoi la feuille d'émargement? C'est la feuille de présence. Alors, il faut juste signer son nom. Attention rep soccer players. Soccer practice will now be on the left playing field behind the old gym at noon. Left playing field. Don't be late. Quelle est la différence entre nom et prénom? Ben voyons, Jake. Alors, ton nom, ça c'est ton last name et ton prénom, c'est ton first name. D'accord? OK. C'est quoi le candidate code? Ah, ça c'est le code que tu trouves dans ton courriel pour de ta convocation et c'est le code qui va te suivre toute ta vie. C'est le numéro d'ALF. Bon, on commence? Bonne chance tout le monde! On y va! Ministère de l'Éducation nationale. Ah, oh, Jordan, dépêche-toi, on vient de commencer. Sorry, OK, cette fois, on commence pour de vrai. Ministère de l'Éducation nationale, France Éducation internationale, DELF niveau B2. Oh, allez, mettez vos cellulaires en mode sourdine, s'il vous plaît. Nationale, DELF niveau B2 du cadre européen commun de... Madame, puis-je aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Vas-y. Merci. Voilà. Oh, Jordan, tu as déjà fini? Oui. Oh, ben, très bien. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Affaire. Bonjour tout le monde. N'oubliez pas de laisser vos affaires en arrière dans la salle de classe et d'éteindre vos appareils, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bienvenue à l'épreuve de B2. Nous faisons ce matin les épreuves collectives. On va commencer avec l'épreuve de la compréhension de l'oral qui durera 30 minutes. Après, il y a l'épreuve de la compréhension des écrites qui durera 1 heure et la production écrite durera 1 heure aussi. Alors, nous allons commencer à 9h pile et finir à 11h30. Alors, quelques précisions avant de commencer. Premièrement, pour votre production orale, vous devez vous présenter à la date et à l'heure qui est écrite sur votre convocation. Pendant cet examen, vous devez respecter les règles et je vous vais circuler la feuille d'émargement et vous allez, s'il vous plaît, signer vos noms pendant que je fais mes précisions. Alors, tout d'abord, pendant l'examen, vous gardez vos yeux sur vos papiers et vous respectez le silence. Le silence doit être absolu. Toute communication entre vous est interdite. De plus, rien ne doit figurer sur les tables, alors pas de dictionnaire, pas de livre, pas de trousse, téléphone, feuille ou étui de lunettes. Sur les tables se trouve uniquement l'examen, le papier brouillon et un stylo. Vous devez écrire vos réponses sur la copie en stylo noir ou bleu, pas de crayon à mine. Et les brouillons seront ramassés à la fin, mais ne vont pas être corrigés. Lorsque je vous dirai de commencer, vous allez écrire vos noms en stylo, vos noms, vos prénoms, le numéro de candidat en bas sur la copie. Et vous allez rabattre sur la ligne pour garder vos noms anonymes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il est 9 heures.
Donc, je vais vous demander le silence et faites certain de bien lire les consignes et de répondre à toutes les questions. Et je vous souhaite bonne chance. Nous allons commencer avec l'épreuve de la compréhension de l'oral. Ministère de l'Éducation nationale, France Éducation internationale. Oh, désolé, Jordan, on ne peut pas encore partir. Il faut attendre 10 heures. On attend une heure. OK, désolé. Avant de partir.